Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Avant tout, prenons le sommaire. Les Louchois se sont réveillés ce samedi avec la peur au ventre. Entre 2h du matin et 6h, les balles n'ont pas arrêté de crépiter, créant une panique générale dans la ville cuprifère. Qui sont auteurs de ces actes et pourquoi? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais de partout. Examen d'État 2020, la publication des résultats n'est plus qu'une question d'heures, si pas des minutes. Entre-temps, l'année scolaire 2020-2021 va débuter le lundi 12 octobre, ce qui est décidé au Conseil des ministres. Le ministre d'État et ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a annoncé ce jour la publication imminente des résultats d'examen d'État édition 2020. Les détails dans ce reportage de Sylvain Kapombo-Bosengele. L'événement est le plus attendu par les élèves finalistes du secondaire à travers le pays. La publication des résultats de l'examen d'État n'est plus qu'une question d'heure. Le ministre d'État, ministre en charge de l'EPST, Willy Bakonga Willima, l'a lui-même annoncé à l'issue d'une visite qu'il a effectuée à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, aux côtés du vice-ministre Didier Boudimbou et d'autres autorités du secteur. Sur place, une centaine d'experts, hommes et femmes, travaillent sans répit à la correction des items de l'examen d'État à une vitesse impressionnante. Willy Bakonga reconnaît les progrès notables qu'il a trouvés dans ce sens pour que plus jamais la correction des items ne prenne des mois grâce à un système moderne. Aujourd'hui, avec ce que je viens de voir, je peux déjà annoncer maintenant que dans les heures qui suivent, nous allons publier les résultats de l'examen d'État dans la ville province de Kinshasa. Et pour les autres provinces, le travail est en train d'être fait. Donc dans les jours qui suivent, nous aurons aussi les résultats par province, on va aller progressivement. Voilà qui tord les coups à toutes les folles rumeurs et intox des derniers jours, faisant circuler une fausse liste des lauréats sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas tabler sur des rumeurs, nous ne pouvons pas tabler sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux donnent n'importe quelle information. Donc ici, nous venons de palper du doigt la réalité. Les sociétés de télécommunications sont mises à contribution dans cette opération pour que chaque élève, où qu'il soit, accède facilement au palmarès de l'Exeta à partir de son téléphone, à commencer par la ville de Kinshasa, dont les résultats seront prêts dans les heures à venir, a confirmé le ministre d'État Willy Bakonga. Il intervient donc à partir de Lubumbashi, c'est notre correspondant Junior Kaniki qui est déjà en direct. Bonsoir Junior Kaniki. Merci beaucoup James Katamboa. Bonsoir également aux téléspectateurs d'Antenne A depuis Kinshasa. Alors Junior, dis-nous, les informations qui te sont parvenues ce matin, il faut le dire, que n'étaient pas du tout bonnes, hein, ces informations. À partir de la capitale cuprifère, il paraît que les Bakata Katanga ont opéré une énième incursion à Lubumbashi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Junior, la vraie version? Oui, effectivement, il y a eu incursion ce samedi 26 septembre 2020 à Lubumbashi. Des présumés miliciens Mai Mai Bakata Katanga. Selon plusieurs témoignages, ces derniers sont donc arrivés à Lubumbashi. L'incursion a eu lieu vers 10h du matin et ils sont allés jusqu'à la grande place de la poste. Et quand ils sont arrivés là, ils ont placé même leur drapeau, signe de la sécession du Katanga. Ce mouvement réclame la sécession du Katanga ou encore. Ils veulent faire, bien sûr, du Katanga un pays à part. C'est ça l'objectif poursuivi par ce mouvement, bien sûr, des miliciens Mai Mai Bakata Katanga. Alors, l'incursion a eu lieu. Nous sommes en train de noter quelques faits. Le premier, on se pose mille et une questions de savoir comment ces miliciens sont parvenus à entrer, à l'entrée de la ville, bien sûr, jusqu'à la poste. Et pourtant, de la poste jusqu'à l'entrée de la ville,
il y a plus ou moins une trentaine de kilomètres, voire une cinquantaine de kilomètres entre l'entrée de la ville et la grande place de la Poste. Mais au moins, l'opinion aussi s'interroge aujourd'hui de savoir qui sont ces miliciens. D'autres personnes parlent des miliciens, des hommes des Gidan Kungumutamba, le numéro un du mouvement des indépendantistes et révolutionnaires d'Afrique, MIRA. Mais on n'a pas encore des précisions, voilà pourquoi on les appelle encore présumés Mai Mai Bakata Katonga. Sur les drapeaux, il y a les mêmes couleurs que les couleurs du drapeau des Gidan Kungumutamba des MIRA. Mais on attend encore jusque-là des précisions de la part des autorités. Junior Kaniki, dis-nous présentement quelle est la situation exacte là-bas à Lubumbashi. Oui, au moins l'armée a maîtrisé la situation. La situation est maintenant calme et les bilans font état de plusieurs blessés par balle et plusieurs décès. Du côté des miliciens, ils ont été acheminés rapidement à la morgue. Du côté de l'armée, on note aussi quelques blessés graves. Donc la situation est calme maintenant à Lubumbashi. Mais il faut aussi noter que c'est une situation qui arrive quelques heures après, bien sûr, la tentative de l'évasion à la prison centrale des Kasapa. Donc, la situation est revenue à la normale depuis 10 heures de ce samedi. Et les travaux, les activités se déroulent alors normalement actuellement à Lubumbashi, dans le haut Katunga. Voilà, merci. Merci Junior pour toutes ces précisions et bonne soirée à Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup James et à vous aussi. Retour à Kinshasa pour vous signaler, l'humanité célèbre le 28 septembre la journée mondiale de l'accès à l'information proclamée par l'UNESCO. Cette journée est une occasion pour les pouvoirs publics mais aussi la société civile d'organiser des activités pour vulgariser les principes du droit à l'information. À cette occasion, un café de presse a été organisé au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa par l'UNESCO et la MONUSCO. Témoin de l'événement, Sylvie Fortuné Mboula et Céline Bayabou. Célébrée le 28 septembre de chaque année depuis maintenant 5 ans, la Journée internationale de l'accès universel à l'information a pour objectif de plaider pour l'accès à l'information en temps de crise et souligner le rôle de multiples parties prenantes dans cette optique pour la prospérité et le développement durable. Au cours du café de presse organisé par l'UNESCO et la MONUSCO ce samedi, les acteurs politiques, sociaux et le professionnel de médias ont rehaussé de leur présence. Ensemble, ils ont réfléchi sur le projet de loi sur l'accès à l'information qui s'est trouvé, a rassuré que cette loi devra être soumise au débat pour son adoption. Le droit à l'information publique, d'abord c'est un droit reconnu ou qui doit être reconnu à tout individu et à des collectivités. Et ce droit, comme tout autre droit, s'acquiert à travers la lutte. La lutte est déjà engagée pour que nous ayons cette loi qui avait été examinée pendant la législature passée, mais qui n'a pas pu être votée. Nous avons profité aussi de l'occasion pour sensibiliser tout le monde pour que nous puissions reprendre cette initiative et réaligner cette fois-ci et à temps, comme c'est le début de la législature, on va l'aligner à temps. De sorte que nous puissions tout faire pour que cette loi soit votée. Les représentants résidents de l'UNESCO en RDC, Jean-Pierre Ibuldo, a souhaité que chaque acteur social prenne à cœur les conclusions de ces échanges pour le bien-être de tous. L'UNESCO est convaincu que l'accès à l'information doit être reconnu comme une norme en matière de développement durable. Les anciens du groupe scolaire Moamba sont allés ce samedi 26
septembre 2020, remettre des cache-nez gel hydroalcoolique aux enseignants des Moamba à l'approche de la rentrée scolaire 2020-2021. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Sylvie Fortuné Mboula et Céline Bayam. Ils ont répondu favorablement à l'appel des autorités. C'est lui d'apporter le soutien à la communauté dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. À la croisée du chemin, les anciens du groupe scolaire Moamba sont allés apporter leur soutien aux enseignants de Moamba à l'approche de la rentrée scolaire 2020-2021. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les directeurs généraux de ces groupes scolaires. Très émus et très fiers de voir que nos anciens élèves ont pensé à leur formateur et à leur école, Alma Mater. Et ils ont pensé, pendant cette période de Covid-19, ils ont pensé venir nous offrir quelques équipements. Ça, ça ne peut que rehausser un peu notre morale de voir que nous ne sommes pas totalement abandonnés. Il y a quand même les anciens du Moamba qui se sont organisés et qui sont venus vers nous. Les anciens élèves du groupe scolaire Moamba ont signifié devant les bénéficiaires le geste posé ces jours. On a commencé donc par cette action parce qu'on est en train de traverser une période de la Covid qui atteint, qui touche le monde entier. Et aujourd'hui, pour aller, on dit qui peut le plus, le moins. Donc il fallait commencer quelque part par un groupe restreint. Ils en feront davantage. Nous sommes revenus dans notre école parce que nous l'aimons et nous nous sommes dit qu'en ce temps où nous faisons face à cette pandémie, la Covid-19, que nous puissions nous souvenir aussi de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Les Saintes Écritures déclarent qu'il y a beaucoup de joie de donner que de recevoir. Ces dignes congolais ont par leurs gestes, tant soit peu, aidé les enseignants pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus dans le milieu scolaire. Le gouverneur de la ville à province de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, a effectué le vendredi 25 septembre 2020 une visite d'inspection dans les chantiers routiers de l'ex 24 novembre, aujourd'hui avenue de la Libération et l'avenue Elingessa. Il ressort du constat que les travaux évoluent positivement à la grande satisfaction de la population. Reportage Sylvain Kapombo-Bosengele. Toujours fidèle à ses habitudes, Gentil Ngobi Lambaka ne cesse de prouver à l'opinion et à la face du monde qu'il n'est pas gouverneur des bureaux climatisés, mais des terrains. C'est dans ce cadre qu'il a inspecté personnellement ce vendredi 25 septembre les travaux qui s'effectuent dans des chantiers routiers sur l'ex 24 novembre et sur l'avenue Elingessa. Enthousiasmée, la population qui lui avait réservé un accueil délirant n'a pas pu retenir ses émotions et exprimer son sentiment de joie vu l'évolution positive des dits travaux. Je remercie l'initiative du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, que je connais très 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 bien. Un homme des actions, un homme posé, un responsable, tout fait. Je pense que ça c'est un acte posé que les Congolais n'oublieront jamais. Son travail, son savoir-faire, son dynamisme, nous commençons à le voir déjà. Maintenant il commence à prouver de quoi il est capable, il est compétent. C'est là qu'il t'en open nos kinder, tout le monde y prend ses bons goûts. Les aliments là ont mis. La nénga zo bon savanti là pour les aliments là pour. Il convient de souligner que ces différents travaux lancés par les premiers citoyens de la ville s'inscrivent dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto et dans la droite ligne de sa vision, celle de moderniser les infrastructures routières de la ville-province de Kinshasa. À la fin de cette visite d'inspection effectuée sur ces deux chantiers, Gentil Ngobi Lambaka a accordé
Une interview à la presse est venue l'accompagner dans l'ensemble des travaux réalisés par la société Adi Construct. Le gouverneur a donné une note positive. Ses propos ont été recueillis par Sylvain Kapombo-Singuele. Une visite des chantiers. Nous sommes en train d'effectuer aujourd'hui. Nous constatons que les travaux évoluent très bien. J'aimerais ici rappeler, cela rentre dans le cadre de notre vision Kinshasa-Bopeto, dans notre programme également, de développer les infrastructures, notamment routières, de notre ville. Mais ici, pour la ville Elengessa, il s'agit d'une nouvelle route qui n'a jamais existé parce qu'à cet endroit ici, il n'y avait pas de route. Il s'agit d'une nouvelle route. Donc c'est notre façon de construire de nouvelles routes et de faciliter la mobilité des Quinoises et des Quinois. Et aussi de rendre plus agréable la vie des Congolais. La route, Elengessa, d'ici là, sera inaugurée. Et là, nous sommes en train de visiter les talus qui est en train d'être construit. C'est un talus de plus de 500 mètres qui sera fini bientôt. Et la route, on a commencé l'asphalte au niveau du pont. Et ça évolue très bien. À mon avis, en tout cas, la société Adi Construct fait du très bon boulot que nous sommes en train d'apprécier. Et nous espérons revenir ici pour l'inauguration de cette belle route qui passe par l'avenue Kassavubu, Kalamu, Bumbu, Makala, Selembaou, et pour déboucher sur l'avenue Bypass à Mongafou. Dans un tout autre registre, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux est l'invité de l'émission Vérité en toute liberté qui sera diffusée ce dimanche 27 septembre 2020 à 19h sur Antenna. La situation qui prévaut présentement au sein de l'église du Réveil du Congo a été largement débattue. Suivez un extrait de cette émission. Je crois que les choses vont revenir à la normale. Je dis simplement que il est normal qu'on puisse pas avoir les mêmes opinions. Je crois que c'est la liberté. Comment vous en êtes arrivé là? Comment vous en êtes arrivé là? Mais simplement parce cette que séparation. Simplement parce que il fallait carrément organiser une assemblée générale, je crois, normalement. Pourquoi les opinions se sont. Je trouve que le bishop Albert, c'est lui qui est à la base de tous ces problèmes. Et j'ai très mal de parler de lui comme ça, mais je suis parfois obligé de les dire pour ne pas mélanger les pinceaux. Et là, j'ai dit bishop Albert qui a dirigé 20 ans, donc il est fin mandat. Donc il n'a pas voulu partir. Et là, il a mis l'un de ses valets pour diriger l'église au détriment, n'est-ce pas, de général Sony, que lui nous a imposé. Parce qu'à ce moment aussi, avant, je ne voulais pas, n'est-ce pas, de la manière dont il a dirigé pour nous imposer le général Sony. J'ai dit non, non, je ne suis pas d'accord, parce que la direction que vous prenez, elle est mauvaise. Ce n'est pas une histoire de Kamadéri. Donc, il a choisi le général Sony. Il nous a imposé encore de nouveau avec une assemblée générale faite à la sauvette. Et là maintenant, ils sont en désaccord avec un général Sony. Cela veut dire au gré des vagues, donc il met celui qu'il veut mettre, il choisit celui qu'il veut choisir. Je crois qu'on est des adultes, on ne peut pas, n'est-ce pas, lui laisser, c'est le seul conseil que je le dis, de suivre l'exemple de Monsengo et de Monseigneur Monsengo, excusez-moi, et aussi, n'est-ce pas, de Monseigneur Marini, qui ont quitté l'église et qui laissent l'église continuer sa marche. C'est ce que je demande à Bishop Albert Kankenza, que il pouvait avoir des conflits avec Sony, utiliser les moyens bibliques et légaux pour régler cela. Parce qu'on a déjà eu des problèmes. Une amitié de 40 ans, c'est une amitié qui a été éprouvée, mais nous avons toujours été à la hauteur, n'est-ce pas, de s'harmoniser. Et cette fois-ci, ça pouvait être aussi la même chose. Mais j'ai dit encore de nouveau, lorsque la politique se mêle, ça devient vraiment de grands pensateurs. Il est l'invité de ce journal du samedi. Il a pour nom Domomat. Il est quelque part déjà en direct
avec nous. Il est quelque part dans la capitale, ici à Kinshasa. Bonsoir, Domo Mat. Bonsoir, James Katamboa, et très heureux du fait que vous m'ayez invité dans cette édition du journal d'Antenne. Alors, Domo Mat, peux-tu nous présenter brièvement la structure Amour Afrique Congo qui a fait sa sortie officielle hier vendredi, ici dans la capitale, et nous dire exactement le rôle que tu joues au sein de cette structure? Il y a beaucoup à dire sur la structure, mais très brièvement, comme vous l'avez demandé, Amour Afrique Congo est au départ un projet de la RNV Média exécuté en RDC dans le cadre du programme Santé sexuelle et santé reproductive. Le projet a été mis sur pied pour aider le jeune Congolais vivant, comme vous le savez très bien, dans un environnement restrictif où le tabou sur la liberté d'expression liée à la sexualité prolifère, d'avoir accès à des informations essentielles pour ainsi mener une vie saine sur le plan amoureux et sexuel. Amour Afrique Congo est une plateforme entièrement numérique qui aujourd'hui a un site web, Amour Afrique Congo, un compte Facebook, Twitter, Instagram et YouTube qui portent tous le même nom d'Amour Afrique Congo. Et il faut dire très rapidement que Amour Afrique Congo a été officiellement lancé le 14 février 2019, a par contre été présenté officiellement le vendredi 25 septembre 2020. Alors, moi, je suis le rôle que je joue, je suis le coordonnateur de cette plateforme numérique. Oui, donc Mat, Amour Afrique Congo est une structure de plus dans cette globalité des structures où Amour Afrique Congo a une spécificité qu'elle amène dans ce domaine. Et quelle est cette spécificité justement qui distingue Amour Afrique Congo des autres structures existantes déjà? Amour Afrique Congo a plusieurs spécificités. Je vais en évoquer quelques-unes seulement ici avec vous. Tout d'abord, que Amour Afrique Congo aborde les questions considérées comme taboues dans la société en ce qui concerne la sexualité ou encore la vie amoureuse. Ça, c'est la première des spécificités de Amour Afrique Congo. Au-delà de ça, et que Amour Afrique Congo présente les sujets, les informations de manière claire et sans porter des jugements. C'est la deuxième spécificité de la plateforme. Outre cela, on peut dire que l'une des spécificités de Amour Afrique Congo est ce qui est fait sur notre page Facebook. C'est l'une des pages Facebook au Congo qui connaît ce qu'on appelle la modération. On y pose des questions, on interagit avec les internautes de manière à savoir qu'est-ce que les internautes veulent vraiment en termes d'informations sur la santé sexuelle et reproductive, et nous leur donnons par la suite ces informations. Et donc aujourd'hui, lorsque vous voulez avoir une idée sur ce que pense le jeune Congolais sur toutes les questions en rapport avec la sexualité, la contraception, l'avortement, et j'en passe, on peut tout simplement se rendre sur la page Facebook d'Amour Afrique Congo ou exploiter les différents contenus en termes d'articles, des vidéos, des motion design, exploité et diffusé par Amour Afrique Congo. Voilà quelques-unes de nos spécificités ramassées ça et là très rapidement. Voilà, merci. Merci beaucoup, Domo Mat, pour ta disponibilité et bon courage à toi. Et surtout, bon vent à cette nouvelle structure Amour Afrique Congo, que tu as bien sûr la lourde charge de coordonner. Merci, James Katamboa, et à la prochaine. Vous vous habituez déjà petit à petit à sa figure, il s'agit de Freddy Montieri,
international qui intervient souvent dans ce journal tous les samedis. Et aujourd'hui, il va également intervenir, il est déjà en direct d'ailleurs, d'Atlanta en Géorgie. Bonsoir à toi, à Freddy Montieri. Et merci en tout cas, il faut le dire, de ta disponibilité. On en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui te suivent et qui suivent ton émission Afro-Diaspora que tu as d'ailleurs décidé de débaptiser Freddy Montieri Live. En tout cas, bonsoir à eux et merci. Bonsoir à toi également, à Freddy Montieri. Bonsoir James Katamboa et bonsoir à toute l'équipe rédactionnelle. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir participer à cette édition d'information d'Antenna, la chaîne de référence depuis Kinshasa. Alors, dis-nous, Freddy Montieri, nous apprenons que Donald Trump a décidé de ne pas quitter la Maison-Blanche, même en cas de défaite à la présidentielle de novembre prochain face à Joe Biden, les démocrates. Dis-nous un tout petit peu, est-ce que cette information est véridique, elle est vraie, ou c'est une fake news? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête exactement, Donald Trump? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du président africain aux États-Unis, Donald Trump. C'est pour rire, au fait, au niveau de la presse. C'est comme s'il est le tuteur de tous les présidents africains qui veulent rester au pouvoir, le Paul Biya et les autres. Mais non, Donald Trump, c'est plus un monsieur du Hollywood, c'est-à-dire du showbiz, du cinéma. Il sait comment réorienter l'attention de la population ou des personnes vers lui, parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Il y a plusieurs faits qui sont en train, bien sûr, de peser sur la tête de Donald Trump. D'abord, la pandémie, la crise, bien sûr, de la pandémie mondiale donc, du coronavirus, avec plus de 200 000 morts et 7 millions de personnes contaminées aux États-Unis d'Amérique seulement. Il y a la crise économique aussi, il y a plus de 30 millions de personnes qui sont en chômage, toujours dû à cette crise que Donald Trump avait négligée. Il y a aussi le problème de la mort de cette dame âgée de plus de 25 ans, Breonna Taylor, qui a été tuée par la police. Et aujourd'hui, la justice n'a pas condamné ces policiers. Donc, il y a tellement d'effets qui pèsent sur Donald Trump. Et Donald Trump a trouvé le bon moyen de pouvoir, bien sûr, changer au fait, la vision de ses électeurs ou des futurs électeurs vers autre chose. Prenons ça vraiment comme de la distraction et rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, au niveau du Sénat et du Parlement en général, ils se sont rencontrés pour dire non à ces propos, et les républicains et les démocrates. Oui, merci Freddy. Mais la semaine dernière, lors de ton intervention dans ce journal, on a promis à nos téléspectateurs de parler de ce phénomène au niveau des USA. On constate que les Congolais, en tout cas la plupart, soutiennent à bras le corps Donald Trump. C'est quoi exactement ce phénomène, les Congolais derrière Trump pour la présidentielle de novembre prochain? C'était le fait d'une surprise quand nous l'avons appris. Et je te promets, James Katamboa, qu'après avoir bien sûr reçu nos amis dans Freddy Montieri Live, je ferai un effort en tout cas de pouvoir revenir à toi pour de plus amples détails. Mais note d'abord ceci, qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas comme ailleurs, on va dire. C'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique, donc chacun est libre de faire son choix. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nos amis disent que le républicain, depuis qu'ils sont au pouvoir, depuis que Donald Trump est au pouvoir, il y a une certaine amélioration de relations entre les USA et le Congo. Et aussi, on sent quand même un soutien des États-Unis d'Amérique, donc le pays de l'oncle Sam, au pouvoir qui est là, et à la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins qui torpillent, bien sûr, on va dire quoi, le grand Congo. Ça, c'est selon eux. De deux, ils parlent du business. Ils ont remarqué, selon eux, toujours, je dis, je précise même, qu'il y a une certaine apogée, s'il faudrait le dire comme ça, au niveau du business, dans le domaine des affaires par rapport aux Noirs africains qui sont ici, et notamment aux Congolais. Et de trois, ils pensent que chaque fois que les républicains sont au pouvoir, il y a la paix en République démocratique du Congo. Alors, nous avons tellement de questions à poser à nos amis, mais vraiment, je le rassure en tout cas, je ferai un effort de pouvoir revenir à toi afin de te donner de plus amples détails par rapport à ce soutien. Mais note tout de même
que ce mouvement ne se limite pas seulement à un seul État, mais dans plusieurs États, ici aux États-Unis d'Amérique. On parle de Washington DC, de Dallas, Texas, de Atlanta et ailleurs. Voilà, merci. Merci Freddy Montieri. Internationale et excellente fin de journée à Atlanta, en Georgie. Je souligne que vous avez une très très belle cravate. Allez, en tout cas, bon vent à ton émission, à Freddy Montieri Live. Et à la prochaine. Je t'en prie, James Katamboa, et très bonne soirée à toi-même aussi et à toute la grande équipe rédactionnelle d'Antenne à la chaîne de référence, sans pour autant oublier l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour nous avoir en direct d'Atlanta, ici aux États-Unis d'Amérique. Merci. C'est par ici que se referme ce journal. Prenons les rappels des principales articulations. Les Louchois se sont réveillés ce samedi avec la peur au ventre. Entre 2h du matin et 6h, les balles n'ont pas arrêté de crépiter, créant une panique générale dans la ville cuprifère. Qui sont auteurs de ces actes et pourquoi? Autant de questions qui taraudent les esprits des Congolais de partout. Examen d'État 2020, la publication des résultats n'est plus qu'une question d'heures, si pas des minutes. Entre-temps, l'année scolaire 2020-2021 va débuter le lundi 12 octobre, ce qui est décidé au Conseil des ministres. Eric Izam était chef d'édition. À ses côtés, il avait Léonard Moimeri comme réalisateur. En leur nom en propre, je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Bon week-end à vous, frères.